C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Celui qui est au top ce soir, le public de Candidator. Bonsoir à tous. Ouf. Eh oui, avec vous ce soir, cher public, on n'est pas couché. Hein. Bon, par contre, avec Christine Angot, rassurez-vous, hein, on n'a pas couché. Eh oui. Alors, en parlant de coucher, le premier du Flop 10 cette semaine, c'est bien sûr Harvey Weinstein. Eh oui, le producteur américain dans la tourmente, hein, puisque c'est désormais plus d'une cinquantaine de femmes qu'il accuse d'agression sexuelle. Eh oui, et parmi elles, l'actrice française Léa Seydoux. Eh oui, comme quoi, si Léa Seydoux, Harvey, c'est dur. Ouf. Eh oui, qu'est-ce que je suis drôle. Mais tout de suite, on va en parler avec mes invités. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Weinstein, Manuel Valls? Mais, monsieur Ruquier, je dois la vérité aux Français. Il y aura de nouveaux attentats. Avec les retours de djihadistes de Syrie, la menace n'a jamais été aussi forte. Un terroriste peut très bien surgir et tous nous abattre avec sa Kalachnikov. Oui, non mais excusez-moi, monsieur Valls, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, je vous parlais de l'affaire Weinstein, et plus généralement, de ces femmes victimes d'agressions sexuelles. Ah, eh bien, dans ce cas, je dois la vérité aux Françaises. Oui, il y aura de nouvelles jeunes femmes agressées. Dans le milieu du cinéma, mais aussi dans toute la société. Peut-être qu'ici même, dans cette salle, au moment où je m'exprime, des prédateurs sexuels sont en train de passer à l'action, sur leur voisine, avec une main sur la cuisse, ou une langue dans l'oreille. Peut-être que ce sera plus tard, dans le métro, un frotteur opportuniste, ou dans la rue, un romantique un peu perdu, qui balancera un « paye tes miches, salope ». Je ne sais pas, mais cela arrivera. Vous savez, il paraîtrait même, en dépit de leurs apparences innocentes, que les Schtroumpfs eux-mêmes auraient eu à plusieurs reprises des gestes déplacés envers la Schtroumpfette. Je pense notamment au grand Schtroumpf, bien sûr, mais aussi au Schtroumpf à lunettes. Je reste prudent, car une enquête est en cours, mais vous imaginez l'ampleur de ce scandale. Mais laissez-moi terminer. J'ai fini. Oui, sacré Emmanuel. Hein. Alors, vous, Christina Cordula, vous vouliez réagir sur les propos de l'ancien Premier ministre. Aïe, Manu, ton bouc, mon chéri, c'est moche fake. Ah là 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 là. Bon, mais pour revenir sur le sujet, si on regarde Weinstein ou DSK, on voit que le pervers sexuel, il a toujours la même morphologie. J'en perds mes lunettes. Il a du bide, donc c'est une base de O, mais en plus, il sort tout le temps son sexe. Un O avec une queue à l'extérieur, c'est donc un cul. Donc, si vous voyez un cul, les filles, vous vous barrez en courant. Et après, vous le dénoncez sur Twitter, hashtag balance ton cul. D'accord, les filles? Ah oui, mais attention, mademoiselle, hein, parce que si vous balancez votre cul, vous allez encore exciter Harvey Weinstein. Ouf.